Eh bien salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur WWE 2K17 et aujourd'hui ça va être spécial. Donc vous savez comme moi, ce dimanche il y a Survivor Series et malheureusement on peut pas faire de 5 contre 5 sur 2K17 et ben on va le faire autrement. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche il y aura des matchs comme les 1 contre 1 de Brock Lesnar, Goldberg, Dolph Ziggler, Sami Zayn et... les traditionnels, donc du coup 3 contre 3 hommes et 3 contre 3 femmes pour voilà pour faire une petite vidéo parce que je savais pas quoi faire aujourd'hui, j'avais pas envie de faire carrière ni de mode univers. Et vu que le mode univers il me casse un peu les bonbons, et le mode carrière c'est toujours répétitif, il y a même pas de rivalité, je comprends que dalle. Je peux pas vous faire du cadeau parce que il y en a pas énormément qui aiment ça, donc autant enfin, comment dire, je sais même pas pourquoi je suis revenu dans le menu. Enfin voilà quoi, il y a pas beaucoup de personnes qui regardent Call of, donc. Vaut mieux attendre, mais des fois je suis en train de m'entraîner au snipe. Donc aujourd'hui on va faire un 1 contre 1 en Falcon Anywhere. Donc ces personnes là ne seront pas demain, enfin dans les prochains jours en vidéo. Donc du coup je vais faire Bray Wyatt. Oui, je prends pas Bray Wyatt dans le traditionnel. Attendez, on va prendre blanc ou noir. Blanc. Voilà. Et je vais mettre, attention, 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 contre qui je vais mettre? Attends, un B, qui ça peut être? Bah attention, Braun Strowman, qui ça peut être? Alors attendez, est-ce que j'ai la reine? Non, j'ai un peu la flemme de créer la reine Super Series. Donc on va faire le traditionnel Survivor Series. Donc c'est parti, on se retrouve aux entrées. Allez, on est de retour. On accueille en premier le Bouova. Celui qui a monté Braun Strowman et la Wyatt Family. Il est là. Bray Wyatt. Oh putain, il nous regarde bizarrement. T'sais. Il fait un regard vers la gauche. C'est suspect quand même. Hein. Qui gagnera entre les deux membres de la Wyatt Family quand même hein. Et bon, on le saura ce soir. Parce que dans les prochains jours. Allez, je vais vous le dire tout de suite. Le traditionnel homme. Ça sera AJ Styles, bien évidemment. Shane McMahon, bien évidemment. Et Dean Ambrose, bien évidemment. Contre Kevin Owens, Roman Reigns et Seth freaking Rollins. Je veux réunir le Shield quand même. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai gardé les trois, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on va garder Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns. Et on s'en fout des autres. Il est là, Braun Strowman. Et ben on peut pas faire son entrée habituelle, hein, si on peut toujours pas ajouter de musique, malheureusement, sur ce jeu, c'est vraiment décevant ça. Dommage qu'on puisse pas modifier les mini-trons de chaque entrée, ça serait vraiment pas mal et on pourrait faire de grandes choses pour toutes les superstars. Je sais pas comment. Je pense qu'ils pourraient ajouter cette option, qu'on puisse créer une mini-tron, Waltron et vidéo, c'est déjà fait, mais le reste, franchement, je pense qu'ils pourraient. Alors je sais pas, de tête je sais pas comment ils pourront faire. Mais ça risque d'être très dur. Et la console, elle va prendre beaucoup. Elle va prendre beaucoup de gigas, moi je vous le dis, s'ils font ça un jour. Enfin, j'espère. C'est tout ce que j'espère. Allez, Braun Strowman, Bray Wyatt. Au niveau des filles, hein, je vous le dis pas parce que j'ai pas choisi encore. Et c'est tout. C'est parti. Alors peut-être je créerai la Survivor Series, l'arène, je sais pas. Ou je garderai le même, je sais pas, on verra. Allez, c'est parti, Bray Wyatt. Ah oui, d'accord, ok. J'ai mis un coup dans le vent. J'ai mis un coup dans le vide. Pas dans le vent, parce que dans le vent, ça se dit pas. Allez, Braun Strowman. Ah oui, d'accord, le mec sort direct. D'accord, il veut déjà affronter avec les chaises. Non, c'est pas grave, regarde. Moi, je me casse aussi. Ah non, il n'y a pas, d'accord. Et voilà, je vais prendre... Allez, une chaise. Et voilà, on va s'affronter, mon gars. Allez, viens avec ta masse. Attention! Tiens, coup de chaise dans ta gueule. Alors, Braun Strowman, tu voulais m'affronter? Tiens, je sais pas comment ça va se passer au Survivor Series. Mais en tout cas, j'ai très hâte parce que je sens un truc de réunion de jeu Shield. Un retournement de situation contre Dean Ambrose de SmackDown, à part Shane McMahon, bien sûr. Shane McMahon, ouais. Je pense pas qu'il sera éliminé dès le début. Je pense que le premier éliminé, ça pourrait être. Alors, de SmackDown, hein. Parce que il faudrait. Peut-être, je sais pas, un petit réunion The Shield ou Kevin Owens, je sais pas. On verra, hein, on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte, c'est ce dimanche. Et franchement, j'ai trop hâte. Allez, Bray Wyatt. Allez. Ah non, mais je voulais pas l'amener, c'est pas grave, pas grave. Allez, ça dégage, qu'est-ce qu'il va faire? Putain, je l'ai déjà démoli, quoi. Ah, attention, il va faire le Senton. Qu'est-ce que tu vas faire?
Oh, dommage qu'on peut pas faire provoque avec les objets. Ça c'est con. Ça j'espère qu'ils le pourront, ils pourront le faire. Mais j'ai vraiment hâte de 2K18 putain. 2K18 il va défoncer tout. Avec les nouvelles arènes Raw et SmackDown, parce que je pense pas qu'ils vont le mettre sur 2K17. Malheureusement ça serait vraiment bien s'ils le mettaient, mais je pense pas qu'ils les mettront. C'est vraiment, putain c'est vraiment dommage parce que j'ai tellement envie qu'ils les mettent, mais je sais qu'ils les mettront pas quoi. Non mais là c'est terminé, la Braun Strowman. Alors pourtant le mode de difficulté en mode normal hein, le mec s'en va les coups total. Mais là là il est fini là. Moi je vous le dis. Là c'est le match le plus rapide hein. Enfin je sais pas, j'ai pas compté mais. Mais en tout cas comment dire. Bon, bon on va en terminer là hein, qu'est-ce que je te dise. C'est terminé pour Brett, pour Braun Strowman. Donc le gars a duré quand même pas longtemps. Depuis le temps qu'il est avec Bray Wyatt, le mec n'a rien appris. Il est toujours aussi mauvais. C'est comment dire. Alors bien sûr on va pas s'arrêter là. Puisqu'on en a un deuxième finisher. On va en faire un deuxième. Autant, tu vois, autant en profiter. Allez c'est terminé. Bray Wyatt en termine avec Braun Strowman. C'est terminé. Allez Bray Wyatt et le Sister Abigail. On peut même pas le contrer. Alors j'ai appuyé sur B et ça voulait pas. Je crois que c'est à cause d'un bug. Je sais pas c'est quand qui va venir, c'est pas tu vois putain. 2-3 victoire de Bray Wyatt. Bon j'ai envie de te dire, c'était un petit peu normal que c'était sa victoire parce que après 2 Sister Abigail quand même, je pense pas que tu vas te relever hein. À moins que t'es vraiment hyper puissant ou un truc comme ça. Voilà, c'est une petite vidéo assez courte, hein, mais je voulais faire. Enfin, en tout cas, je voulais le faire ce match. Voilà, je me suis dit autant pas abandonner toutes les superstars. Bon, on va abandonner malheureusement Chris Jericho et Randy Orton, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésite pas à partager à tous tes amis. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me suivre sur Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. On se retrouve dans les prochains jours pour WWE et Survivor Series. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce dimanche, ça sera Brock Lesnar Goldberg. Après, j'ai pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Allez, je sais pas. Demain, ça sera la fille. Après-demain, ça sera Ziggler et Sami Zayn. Et samedi, ça sera les hommes. Et après, ensuite, le final avec Brock Lesnar Goldberg. Allez, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.